Salut famille, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. En tout cas, veuillez m'excuser, veuillez vraiment m'excuser pour ce retard-là. J'avais promis la vidéo pour 16h et malheureusement, je vous l'envoie à 17h. Veuillez vraiment m'excuser. Voilà. Je vous avais dit qu'on devait parler de Didier Moasco et du Sultan. Voilà, on fait ça rapidement, rapidement. D'abord, toi, Didier Moasco, tu sais, tu es un petit artiste. Moi, je t'appelle petit, parce que tu n'es pas encore confirmé. Voilà, tu n'es vraiment pas encore confirmé. Donc, je t'appelle petit artiste. Très bourré de talent, très fort. Mais qui a fait juste l'erreur de vouloir concurrencer plus fort que lui. Voilà, tu sais de quoi je parle. Tu as vu ta carrière chuter nettement depuis ton clash musical avec Ariel Chiné au mix. Où tu devais pas. Tu ne devais même pas. Voilà, donc tu vois, si Ariel Chiné, qui est de ta génération, t'a descendu, imagine Arafat laisse le côté des gens, non, ne lui donne pas, non, ne lui donne pas, et puis il cherche à se réveiller sur toi, on va plus t'entendre. C'est pas une histoire d'Arafat est Dieu ou il n'est pas Dieu, ça n'a rien à voir. Mais dans toute chose, il y a un minimum de trucs de respect. Quand il dit qu'il t'a pas respecté, ça veut dire quoi? Il s'est pas levé comme ça pour ne pas te respecter. Il a été mené en combat. Pour vous tous. Et puis il faut savoir que quand il parle de 100 millions, 50 millions là, c'est juste pour accompagner les choses. Oh, sa revendication. Donc arrêtez un peu. Pour ça, tu as venu dire non, tu ne le respectes plus. Souvent, il faut réfléchir avant de parler. Hein. Faut réfléchir avant de parler. Arafat là, il est trop lourd pour toi. Ça n'a rien à voir, il est Dieu ou bien il s'étend pour Dieu. Ça n'a rien à voir. Voilà. La seule personne qui tient tête à Arafat là, c'est Debordo Likoufa. C'est pourquoi ils se sont réconciliés. Donc vous les autres qui sont à côté, aux alentours là, calmez-vous. Moi ça me fait mal. Moi un bon chanteur comme ça, à force d'avoir la grosse tête, voilà ça, on t'entend même plus, on t'écoute même plus. On passe même plus tes sons quelque part. C'est triste ça. Au lieu de te cacher pour travailler, c'est pas clash. C'est pas vidéo interposée, tu veux te faire remarquer. Tu vas t'enfoncer encore. Voilà, parce que ça, c'est conseil des frères. Tu vas t'enfoncer très mal même. Je ne te conseille même pas ça. Tu n'as pas besoin de clash. Parce que tu es fort. Mais il faut savoir une chose. C'est dans ton fort là, il y a plus fort que toi. C'est comme ça. C'est pour ça. Ariel Chiné t'a descendu. Faut te calmer. Voilà. Didier Arafat est trop lourd pour toi. Il maîtrise le game même que ton patron qui Kedivara. Donc faut aller, faut te calmer un peu. Il a dit quoi de mal même. Il déjà pris une vidéo enchaîner, enchaîner la vidéo. Il t'ignore même. Faut arrêter ça. Cache-toi, fais sortir des bombes noires à écouter. Mais pour l'instant, là, tout ce qui vient sortir là, c'est inaperçu. Et ça, c'est triste. Faut penser à ça. Au lieu de vouloir te lancer dans les clashs là. Voilà. Il n'y a pas trop duré sur toi. Maintenant, Sultan Tesco. Bon. Moi, je t'aime bien. Hein. Tu es un très bon chanteur, il y a longtemps que tu chantes, c'est ce qui est triste dans ton cas en fait. Il y a longtemps, longtemps que tu chantes, mais tu ne mousses pas. Ça fait vraiment pitié. Ulysses a essayé de te recadrer, mais apparemment tu te joues les rebelles. Il faut savoir que si tu t'appelles rebelle, musicalement, ils vont toujours te mater. Bah, la rébellion, ça se mate. Voilà. Tu penses que toi qui fais la fraude trap, c'est par les clashs que tu vas te faire remarquer ou bien tu vas mousser. Non, tu vas plus t'enfoncer. Tu vas plus ternir ta carrière même. Parce que tu penses qu'il y a un semblant de moussement, mais tu mousses pas en fait. Ta seule chance, c'est que tu es sur le bain, tu as eu quelques blés, tu as eu un peu, donc tu peux te t'auto-financer. Sinon, c'est mort. Toi-même, tu sais ça. C'est pas par les clashs. Toi, tu n'as même pas besoin des clashs pour te faire remarquer. Parce que tu es un très bon chanteur. Faut juste prier Dieu pour que un de tes sons fasse le boom et puis ça va, le reste va suivre. Au lieu de vouloir penser que c'est en prenant la vidéo pour venir parler à Didier Arafat et Debordo, que les gens, est-ce que c'est pour eux le coupé de galets? Ils n'ont jamais dit que c'était pour eux le coupé de galets. Mais ce sont les leaders du coupé de galets. Et les leaders, ça se respecte. C'est ce que tu dois comprendre en fait. Tant que tu as resté dans ton registre, tu seras toujours fermé. À jamais. Voilà. Tu seras fermé. C'est pas toi qui as pris le téléphone ici, tu as fait direct de combien de minutes sur le bureau de Trace FM en France là-bas. Tu as déjà oublié. C'est toi qui as voulu venir prendre défense du mois là aujourd'hui. Et puis il faut savoir une chose, si toi tu es nominé là, même trophée en bois, tu ne gagnes pas. Clair, clair. T'es son mousse où? Tu chantes bien, mais t'es mousse où? Pour faire preuve là, il faut faire un son qui est vraiment moussé. Où
toute la Côte d'Ivoire, toute la diaspora, le monde entier est unanime que vraiment Moasco a travaillé. Mais tu viens parler d'affaires des prix minondrés, toi-même, tu espères avoir un prix. Tu peux pas avoir pris là aussi, mon vieux. Ah, c'était mon vieux, mais peut-être dans la même, de la même catégorie, mon vieux. Chose, mon gars. Toi, tu fais affreux, chose, oh, trap, faut te calmer, tu vas bosser, bosser, Dieu va dire, ah, c'est ton jour, et tu as commencé à mousser. Toi, c'est toujours là, tu t'es mis dans les clashs, mais tu t'intéresses pas, on t'ignore, mais tu es toujours dedans. Et puis, il faut changer ton pseudonyme, là, parce qu'il agit sur toi. Une rébellion, ça se mate. Tant que tu te feras appeler la rébellion, tu ne vas jamais mousser. Voilà, ça c'est un bon conseil. Si je pense que je vais m'amuser, reste dans ton affaire de soutien de scolaire rebelle. Et ça te fait plaisir que je te fais appeler le rebelle. Voilà, elle s'est fait appeler le rebelle. Moi, ce qu'on a fait, demander où sa carrière est aujourd'hui. Arrêtez un peu là. Hein? Arrêtez un peu. Parce qu'on déborde, puis à la fin, ils sont réconciliés là. Nous, on est d'accord avec ça. Puis on toujours les défendre. Donc calmez-vous. Voilà, parce que vous ne comptez même pas dans ce showbiz là. C'est ce que j'avais à dire. Voilà, bien, attends vos vidéos encore. Il regarde YouTube, il attend.